Eh bien, salut à tous les amis, c'est Davy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, les amis, nous allons jouer... moi, je vais jouer à un jeu d'horreur qui s'appelle Evelyn. Voilà, c'est un jeu d'horreur. Donc, nous allons commencer tout de suite la vidéo. Avant que la vidéo commence, les amis, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la cloche des notifications et mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. Nous allons commencer à jouer. Et c'est un jeu d'horreur, les amis. Je n'ai pas précisé, mais c'est un jeu d'horreur. Alors du coup, je vais rejoindre cette dame là. Ah, elle veut pas. Oui, mais moi aussi, je veux venir avec vous. Allez, s'il vous plaît, mesdames. Allez, nous sommes à 3. Je vous préviens tout de suite, les amis, le début du jeu est très 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 long. Alors, si vous voulez pas patienter, avancez un peu la vidéo, comme ça, ça évite que vous vous tapiez les 3 minutes, parce que ça dure 3 minutes, enfin, vous allez voir. Le début est très très long, vous pouvez pas commencer à jouer, il faudrait attendre 3 minutes avant que le policier termine de parler. Warning, This game include loot so effect. Oui, je sais, mon anglais est vraiment pourri, mais c'est pas grave. Je ne suis pas bon en anglais. Enjoy. Tac, on clique sur enjoy et c'est bon. Donc, voici le policier qui enquête sur la disparition d'une fille. Voilà. Enfin, je crois que c'est ça. Je ne sais pas trop lire l'anglais, mais je crois que... c'est une disparition d'une petite fille, ou du moins une petite fille hante une maison, enfin je ne sais pas trop. Pour moi c'est une disparition d'une petite fille ou une adolescente, mais je crois que c'est une petite fille, enfin vous allez voir dans le reste de la vidéo qui suit. Voici le dossier, si vous voulez mettre pause, vous mettiez pause pour lire l'anglais. Si vous savez lire l'anglais, bien sûr. Alors, c'est... voilà, elle a été portée disparue, je pense, en octobre 1921, âge 13 ans. Donc, elle est adolescente et non une enfant. Vous voyez derrière, il y a la petite fille sur mon photo, enfin... l'adolescente de 13 ans. Il y a le policier aussi. Et au-dessus, comme du sang. Ça doit être... elle a dû être assassinée, je pense. Oui, plutôt assassinée. Et non un enlèvement. Elle a dû être assassinée, c'est sûr et certain. J'espère qu'ils vont pas partir parce que la dernière fois j'étais tout seul à jouer. Du coup les amis, ça change un peu. Là c'est pas du Adopt-Me mais c'est Evelyn. C'est un jeu d'horreur. C'est le deuxième jeu d'horreur que je joue sur ma chaîne. J'espère que ce contenu là vous plaît. Et donc voici la mère de la jeune fille qui s'appelle Elvin. Je pense qu'elle s'appelle Elvin la petite fille. Et ça, donc, c'est sa mère. Enfin, je pense que c'est sa mère. Je vous rappelle, les amis, que je ne connais pas beaucoup l'anglais. Donc, je pense que ça doit être la mère de la jeune fille. Bon, ça va, les amis. Ça n'a pas été trop long non plus. Hein? Et donc, nous allons commencer à jouer. Et c'est parti.
Donc nous voilà à l'entrée de la maison. Voilà, une petite porte, une petite plante. Voilà, à l'ancienne quoi. C'est en 1920, je vous rappelle. Donc en 1920, nous n'avons pas tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone. Donc voilà, si vous voulez lire, vous mettiez pause à la vidéo. Moi, je ne peux pas la lire personnellement. Donc, nous allons ouvrir la première porte. Voilà. Alors, comme vous voyez, les amis, il manque un gâteau. Nous allons placer le gâteau manquant qui est ici. Voilà. Et nous allons placer ici. Le robinet va s'ouvrir, comme vous pouvez le voir. Et donc le placard s'ouvre pour qu'on place le bouchon dans l'évier qui vont donner une clé. Vous prenez cette clé, ne faites pas attention à elle, elle est gentille. C'est la fille qui a été tuée. Est-ce que nous pouvons ouvrir la porte, s'il vous plaît? Nous pouvons pas ouvrir la porte. D'accord, pas de problème. Ah, c'est cette porte-là. Ok, les amis. Alors, il faut faire quoi exactement? Faut poser la serviette par terre. La placer, voilà, où il y a les autres brosses à dents. Hop, ouvrir la toilette. Ah, c'est très élégant, la brosse à dents dans les toilettes. Du coup, le savon, qu'est-ce qu'on fait avec le savon? On peut rien faire. La poubelle, est-ce qu'il y a un truc dans la poubelle? Il n'y a rien. Dans les placards, est-ce qu'il y a quelque chose dans les placards? Ah, bah là, je suis bloqué, les amis. Faut que je trouve la dernière brosse à dents. Est-ce que les filles qui jouent avec moi peuvent m'aider à trouver la solution? Ils sont anglaises aussi, ça va pas m'aider. Est-ce que il peut m'aider, s'il vous plaît? On va pouvoir finir ce jeu. Je me rappelle plus comment on fait pour terminer. Comment on peut mettre la dernière brosse à dents. Comment on peut faire? Est-ce que vous avez une idée comment pour la salle de bain, s'il vous plaît, madame? Je ne vois pas comment on fait. Pourquoi on repart? T'as pas de les clés, tu peux pas ouvrir. Maintenant, il faut trouver la dernière brosse à dents, mais je la trouve pas. Y a rien. C'est pas difficile à trouver, hein. Il y a des placards. Mais il n'y a rien par ici. C'est les petites toilettes. Attends, je fais mes besoins. Poussez-vous, madame. Fermez donc la porte, je fais mes besoins. Oui, c'est ça. Il y a deux brosses à dents. Est-ce que vous savez où est la dernière? Je pense que cette personne a aucune idée. Où se trouve la dernière brosse à dents pour avoir la clé pour ouvrir la seconde porte? Ah, ça pose problème. Bon, bah écoutez. J'en peux plus.